Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième quotidien allemand, le Süddeutsche Zeitung. Le Süddeutsche Zeitung, SZ, littéralement journal de l'Allemagne du Sud, est, avec le Frankfurter Allgemeine Zeitung et Die Welt, un des trois plus grands quotidiens allemands. Créé à Munich en 1945, il est de tendance libérale de gauche. Le 6 octobre 1945, 5 mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le Süddeutsche Zeitung est le premier journal autorisé par l'armée américaine, alors en poste en Bavière. Sous l'impulsion de August Schwingenstein, Edmund Goldschlag et Franz Josef Schöning, le premier numéro sort le soir même. La crise du marché des annonces de presse rend la situation financière du SZ difficile en 2000. De nouveaux partenaires entrent alors dans le capital du journal. La même année, le magazine du journal, SZ Magazine, est source d'un scandale concernant des interviews falsifiées. Au printemps 2004, le SZ lance Süddeutsche Bibliothek. Chaque semaine, une des 50 plus célèbres nouvelles du XXe siècle est disponible dans les kiosques et en librairie. À la suite de ce succès, le journal lance en octobre 2004 la collection Klavier Kaiser, regroupant des CD de piano. En 2004, en décembre, afin de concurrencer Die Zeit, la SZ crée la revue scientifique SZ Wissen et en mars 2005, SZ crée la SZ Cinemathek, une collection de films de grands réalisateurs en DVD. Cette diversification permet au journal de redevenir bénéficiaire. Malgré son nom, le SZ est un journal de référence nationale en Allemagne, mais également à l'extérieur du pays. La ligne éditoriale de centre-gauche fait du journal un opposant au gouvernement du Land de Bavière dirigé par le CSU centre-droit depuis 1949. L'édition nationale présente 4 rubriques, politique, culture, économie et sport, et l'édition bavaroise contient des pages d'informations locales. Je vous mets le lien du Süddeutsche Zeitung en description et je vous souhaite une bonne lecture.